gouvernement intérimaire que m'a dirigé, président de la République là, nous consterné par action ça. Nous consterné devant attentat terroriste qui produit par un groupe terroriste qui bat tête sur nous, Fantôme 509, dans la nuit 29 pour arriver 30 juin. Attentat ça qui passait en Delma 32 à Christoua. Groupe terroriste qui était sur Fantôme 509, tout y est plus passé 10 citoyens paisibles, pour nous piquer environ 15 personnes dans la zone Delma 32 à Christoua. Nous coubons bien bas devant les amis et les familles victimes. Nous connaissons là-dedans une militante féministe, une journaliste qui est Madame Antoinette Duclair. Et un autre journaliste, un jeune garçon, qui est Diego Charles. Conférence de presse, ça tape triste en pile. Si m'ta, bien si m'te permette, chaque grand monde, chaque monde qui est victime, yo, on zanmi yo, vin parler de yo là. Chaque monde qui mourit, si vous avez un grand monde qui vient parler de vous dans la conférence, vous comprenez peut-être niveau, dimension, drame. Nan. Mais comme pas de logistique appropriée pour ça, quittez moi-même, comme Premier ministre, je parle nous de youn ou de la dan yo que m'te connais. Antoinette Duclair, que tout le monde connaît sous nom Neti. C'était Zamim. C'était plus que Zamim. C'était un sœur. Li pa jamais hésité un moment. Pour moun li nan même secteur politique avec yo, pour le dire Claude Joseph, c'est Zamil. Moun ki ministre affaires étrangères là, c'est Zamil. Moun ki premier ministre à IA, c'est Zamil. Youn respecte l'autre. Youn respecte engagement l'autre. Parfois, youn faouche l'autre sous position politique yo. Youn discute avec l'autre, mais nous tous toujours été entiers. Neti, c'était une personnalité transversale. Neti, c'était un monde qui est tolérant, mais qui intègre, qui croit dans ça la gourmé contre lui. Nous pas toujours partagé même l'idée, mais Neti était entier. C'est un ami qui assassiné. Pendant moi-même, c'est Premier ministre. Diego Charles, grâce à Neti Duclair, nous avons gagné un niveau d'amitié. Pas gagné plus pas une semaine, nous étions ensemble, la CAI et moi, dans la résidence privée. Je ne sais pas. Ça t'a fini. Chaque monde qui est bien métier connaît son ami authentique. C'est un bon ami. L'étape du en pile. Que Neti ta mouri comme ça et crime ça que théoricio commet là t'a été impuni. Tout monde qui mouri
la nuit 29. Pour arriver 30 juin, moi, ben nous garantis, crime ça, pas prêté impuni. Moi, je voulais dire ça clair. Depuis le 19e siècle, là, on a pratiqué une violence politique depuis le 19e siècle, on a pratiqué une violence politique systémique dans le pays. Pas mener nous aucun côté. Nous touillons, nous boulons, nous pillons, nous pas respecter la vie. Et de plus en plus, chaque fois qu'une crise politique profonde, il y a un secteur qui pensait c'est avec violence qui a imposé volonté. Nous sommes en Péréa, nous sommes parlé avec le président, nous sommes docteur, nous sommes paix, nous sommes pasteur, simple citoyen, juste pour agenda politique et secteur. En 1999, nous tenons une grosse crise, même Jacques Jodia. Pas qu'un parlement, nous avons un gouvernement haï. Et puis pendant le pouvoir, on branche dans l'opposition, presque joint une solution. Ils ont tiré le sénateur OPL là, qui c'était Jean-Yvon Toussaint devant la CAELI. Dans le jour qui était 1er mars 1999. Là. OPL, pour aller retirer le col dans la négociation, il pourra dire le pape négocier sous 100 sénateurs. Mais l'histoire va le dire nous comment sénateur ça a été mort, qui est-ce qui était touillé pour empêcher de gagner un gouvernement avec René Préval, un gouvernement d'union nationale. 3 avril 2000, pendant que pays a préparé l'élection 21 mai 2000, Fosfè Noyo, la guerre Jean-Dominique à terre. Je ne dis pendant un rapport où il a sorti, pendant la possibilité pour un accord politique pointé devant nous, nous avons un gouvernement qui sortit dans le consensus, dans la tête qui a un premier ministre définitif, Fosfè Noyo décide de mettre deuil dans la population. Nous condamnons Zak Sayo, et j'aime ce que je dis tout à l'heure, Zak terroriste dans la nuit 29 pour arriver 30 juin. Pas prêté un peu. 29 pour arriver 30 juin. Attentat ça qui passait en Delma 32 à Christoua. Groupe terroriste qui était sur Fantôme 509 touye plus passé 10 citoyens paisibles
que nous piquions environ 15 personnes dans la zone Delma 32 à Crissois. Nous coubons bien bas devant les amis et les familles victimes. Nous connaissons là-dedans il y a une militante féministe, une journaliste qui est Madame Antoinette Duclair. Et un autre journaliste, un jeune garçon, qui est Diego Charles. Conférence de presse, ça, triste en pile. Si m'ta, bien, si m'te permettre, chaque grand monde, chaque monde qui est victime, yo, on zanmi yo, vin parler de yo là. Chaque monde qui mourit, si vous avez un grand monde qui vient parler de vous dans la conférence, vous comprenez peut-être. Niveau, dimension, drame. Mais comme pas de logistique appropriée pour ça, quittez moi-même, comme Premier ministre, je parle nous. De youn ou de la dan yo que m'te konnen. Antoinette Duclair, que tout moun konnen, sou nom Neti. C'était zanmim. C'était plus que zanmim. C'était yon sœur. Li pa jam hésité un moment. Pour moun li nan même secteur politique avec yo, pour le dire Claude Joseph, c'est zanmim. Moun ki ministre affaires étrangères là c'est Zamil, moun ki premier ministre à IA c'est Zamil. Youn respecte l'autre.